2024. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. États-Unis élection, président démocrate Joe Biden et ancien président républicain Donald Trump a paré pour un face-à-face dans deux débats électoraux avant l'élection présidentielle qui est fixée pour 5 novembre 2024. Moyen-Orient, guerre Israël-Hamas, Nations Unies exhumé Kess Hotel sous présence force israélienne dans la ville Rafah. Et puis dans le pays d'Haïti, le conseil présidentiel transition a paré pour considérer dossier plusieurs dizaines de monde qui déposaient pièces pour devenir premier ministre. Et autorité pays Bahamas a déporté 125 Haïtiens qui ont vivre sans papier légal sous territoire. Et c'est pour ça, yo, avec l'autre encore, nous allons développer pour nous dans un petit moment, mais go nous. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui est qui côté, ou attendez et regardez en même temps vidéo ça. Déjà nous dou, bienvenue sur channel là pour une nouvelle vidéo d'information, la voix de l'Amérique, ça que nous portons pour aujourd'hui. Parmi quelques notes, nous avons pris un peu pour nous, eh bien, nous prenons le dossier policier Kenya, même qui déjà paru pour débarquer dans le pays d'Haïti là, et un mois après, nous avons recevoir un bon bout de formation, eh bien, groupe officier police Kenya, ça même, ils ont déjà été en congé, ils ont pris un peu pour les soldats, ils ont été branchés pour faire tout détail. Ava joine yon entente avec étudiants yo manifestants sa yo même qui te contre la guerre Israël Hamas la yo même yo doué et bien ou était tande yo avec propre volonté yo pour capable rentrer la caillou n'a venir avec détail. Biden augmenter tarif sur produit électrique chinois yo ou a saisi tande Poutine di force Russie yo même yo fait avance dans position dans la guerre dans Ukraine qui donc Ukraine qui continue à passer mauvais moment en bas force Russie yo. De l'autre côté tout dans pays d'Haïti et bien 3 moun mouri environ 10 l'autre sont blessés dans un grave accident qui fait hier mercredi 15 mai sur route Tomasik département Sud. Point ça avec plaisir l'autre encore que n'a gain pour nous porter pour une édition nouvelle ça, mais avant même nous rentrer dans point ça cap dominer actualité à pas oublier si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel là, tout abonner avec channel là et activer la cloche notification pour la mettre sur toute pour pas rater aucune vidéo. N'a quitte avec édition la voix de l'Amérique là et puis devant n'a venir avec reste détail. Tendez la voix de l'Amérique là puis là au niveau international trouvel dans pays Slovaquie. Dans le pays Slovaquie, Premier ministre Robert Fico, qui recevra aujourd'hui plusieurs balles, président démocrate Joe Biden, toujours dans la salle d'opération. Et la ville en danger, nous sommes capables dans l'image qui est devant nous là, côté que il recevra plusieurs balles, il courir avec l'hôpital. Et le ministre intérieur, il a arrêté un monde, il a un suspect, il a arrêté, il a courir avec dans l'hélicoptère, côté que il a mené dans l'hôpital. Et le ministre intérieur, Matrous Soutage et Stock, il a une conférence pour la presse, côté que il dit la vie Premier ministre là, toujours en danger et nous capables et sous civière là il a mené dans l'hôpital et dans moment n'a parlé là toujours dans bloc et opératoire là d'après information qui arrivait et vienne joindre nous capables secourir avec civière là qui a mené dans direction l'hôpital ça côté que la recevoir soin il était dans Andlova une zone côté que il a participé dans une réunion les ont assaillant venu il a balé 5 balles gain qui prennent dans vente et il dit situation son situation qui très critique et grand pile réaction qui sorti à travers le monde pour condamner Zaxila côté Premier ministre Robert Fico qui c'est un leader pro-russe. Eh bien, lui-même, il recevra balle sa yo, 5 balles et la vie, qu'on y a entre la, la vie et la mort et porte-parole la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, fait connaître que Joe Biden, président, condamné sa président lui-même, relé, yon ignoble et attaque violence qui visait Premier ministre Slovaque là. En plus, l'autre réaction, tout sorti à travers le monde, notamment gagné secrétaire général Nations Unies, Antonio Guterres, n'envoie porte-parole organisation en parlant de Fahrenheit, les condamné attaque là. Condamnation tout sorti bon côté chancelier allemand et Olaf Scholz qui dit son acte intolérable pendant que président PIA, Susanna Kaputova, lui-même lui dit que c'est un bagage qui choquant qui veut. N'a pas rappelé Premier ministre Slovaque là. Robert Fico, qui a 59 ans, eh ben, te dans une réunion gouvernementale, les gens ont tiré en assaillant, fait 5 balles et prend 5 balles. Donc, tant qu'on nous dit jusqu'à présent, li nan bloc opératoire et la ville, entre la vie et la mort, n'a pas suivi dossier ça pour. Et puis, ici, aux États-Unis, n'a pas les élections. Président démocrate Joe Biden, et ancien président républicain Donald Trump, il a paré pour faire un face-à-face dans deux débats électoraux en vain. Que gagne élection présidentielle qui fixée pour 5 novembre. Gentil Augustin Junior, gagne détail. Make my day, pal. Dans une vidéo sur compte X,
Président États-Unis Joe Biden lance un défi bay ancien président américain Donald Trump pour y al troke konyo nan de débat sous CNN ak ABC nan mois juin ak septembre 2024 kap vini la. Donald Trump lost two debates to me in 2020. Donald Trump te perdi de débat en face moins nan l'année 2020. Depuis le sa, li pat présent nan aucun lot débat. Kounye ya, li agit an kou li vle fè face ak moins encore. OK, jounen bel zanmim. Cependant, Biden te refuse 3 débats, commission débat électoral de tête États-Unis ont proposé. Mais li choisi pour faire face à face là sans audience que organisation média yo a organisé. Jeudi mercredi an matin, Trump t'a exprimé des ili sous média social pour yon pi gros audience. Moi vraiment recommandé plus passer des débats et puis pour plus ambiance, yon pi gros espace. Bien que Biden t'a semblé peful, c'est seulement parce que li pas comprendre yo. Dim ki lè, moi ap la, an paré pour yon lobey. Trump t'a dit tout que Biden t'est pi mauvais débatteur, li t'est jamais fait face. Li pa ka mette deux phrases ensemble. Biden li même te tout traîné Trump sous procès li kap continue nan New York. Mais ki gen yon ti pose nan mitan se men nan. Et li ajoute, on choisit date yo Donald. Li semble ke ou lib mercredi. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. N'a prêté toujours dans l'actualité internationale et nous prenons dans la région Moyen-Orient, côté que présent soldat israélien dans Rafah, et bien constitué yon caisse sautée, yon inquiétude pour replacer dans les Nations Unies. Faut dire que Jean-Aubert Philippe, malgré inquiétude ça, et malgré caisse sautée ça, mais ça n'a pas empêché que soldats yon même yon continue, et bien à entrer dans Rafah avec objectif pour yon remplir yon mission qui s'est éradiquée totalement à masse, selon le Premier ministre là, Benjamin Netanyahu. Jean-Aubert. Effectivement, je dirais que c'est l'objectif final là. Parce que Benjamin, c'est tout autant que Hamas existait, eh il a toujours représenté une menace pour Israël. Et c'est la raison que fait l'idée de pas camper. Mais le président soldat autour qui est dans Rafah, qui est dans le sud, pratiquement, et qui est tout près frontière avec l'Égypte, eh bien, les Israéliens continuent à mener opération dans la zone, malgré l'inquiétude communauté internationale là, y compris les États-Unis avec les Nations Unies. Force à tant soldats israéliens ont été pifons dans les villes Rafah dans le cadre d'opérations militaires pour déboulonner les 4 bataillons militants Hamasio qui prennent refuge dans la zone. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré la présence militaire dans Rafah a choqué. Le secrétaire général est appalé par l'escalation de militaire activité. Pour l'organisation internationale, la Fahrenheit dit escalation d'activités militaires en dedans et dans l'entour ville Rafah choqué le secrétaire général. L'activité a affecté l'accès à l'assistance humanitaire et puis a empiré la situation. Pendant ce temps, vidéo, l'agence Nouvelle Reuters publiée montré blessé avec cadavre qui a rentré dans l'hôpital Kouet, là, dans Rafah, mardi 14 mai passé, après une série d'attaques aériennes israéliennes lancées dans la ville qui dans le territoire Gaza. Jamal Al-Ham, ce docteur dans l'hôpital là, a déclaré honnêtement, la situation est difficile, en pile. Non, c'est avertissement contre continuation attaque ciblée. Installation sanitaire a couru en pile risque dans l'est, l'ouest avec la centrale Rafah. Pas gain médicaments ou bientôt attique médicale disponible, sans oublier gain, ils ont raté produits pétroliers. Dans le jour qui passe, la bataille en force israélienne avec militants Hamas a augmenté surtout dans notre territoire Gaza, côté force israélienne. Yo quoi yo te démantibilé militant Hamas yo sa gagne plusieurs mois. Responsable israélien a déclaré raison qui fait yo retourner dans zone là c'est pour empêcher militant Hamas yo reconstruire capacité militaire yo. Militant Hamas yo publié une vidéo mardi 14 mai qui montrait combattant yo a attaqué tank israélien tout près ville Rafah. Agence Nouvelle Reuters pas en mesure pour les vérifier à toute indépendance côté vidéo a été enregistré et dans qui date. C'est la même militant Amasio brigade Kassam déclaré un missile lancé détruit un camion transport avec troupes israéliennes. Attaque là tué membre équipage là et puis blessé plusieurs autres. Force défense israélienne pas de faire aucun commentaire sur nouvelle si là. Alliance internationale Israël avec groupe assistance humanitaire par exemple suspendant ses avertissements contre invasion force israélienne dans Rafah côté en pile monde à prendre refuge. Autorité israélienne croit opération militaire nécessaire pour déraciner reste militant Hamas. Dernier chiffre responsable la santé dans territoire Gaza publié rapporté quantité monde qui mourir dépassé 35 000. Autorité israélienne fait connaître gain 1200 israéliens qui mourir en Israël sans oublier plusieurs milliers l'autre Hamas kembe en otage. Depuis 7 octobre, date militant Hamas a lancé opération dans plusieurs villages israéliens. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington.
Et puis toujours dans l'international, là, il y a un secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui vient dans le deuxième jour, dans la visite que l'a fait dans Kiev, dans le pays Ukraine. Et c'est moment ça, tout que l'a annoncé l'autre assistance États-Unis pour Ukraine. Marie-Louise Pierre, il y a un détail. Secrétaire d'État États-Unis Anthony Blinken arrivé dans deuxième journée visite li dans Ukraine côté il était bailler une conférence pour la presse avec ministre affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba dans Kiev. Blinken assuré ukrainien que assistance en route. Nous pral bailler l'autre 2 milliards de dollars dans financement militaire étranger pour Ukraine. Et puis nous mettez ça ensemble dans un fonds entreprise défense premier dans qualité ça. Et puis il y a trois éléments. Youn, c'est bailler zam jodia, c'est comme ça ça pral aider Ukraine dans acquérir zam ça yo. Deuxièmement, c'est concentrer tout sur un bagage que Dmytro Kuleba, juste et pas les souliers. Investir dans base industrielle défense Ukraine et de renforcer même plus capacité li dans produits ça les besoin pour tête li et finalement, c'est via fonds ça pour aider Ukraine acheter équipement militaire dans leur pays, pas seulement dans les États-Unis, pour utiliser dans Ukraine. Bon côté pal, ministre affaires étrangères Ukraine, Kuleba, déclaré je dis à signal là un problème clé nous discuter, c'est pas seulement volume dans les armes et munitions qui doivent délivrer dans Ukraine, mais tout vitesse là dans livraison ça y est. Tout bagaille doit arriver vite. Zamyo doit venir vite pour nous déranger offensive la Russie. Plan à Ukraine, c'est empêcher plan agressif lié contre reste Europe là à communauté euro-atlantique là. Secrétaire d'État, les États-Unis, Anthony Blinken, dit États-Unis ensemble avec l'autre partenaire ukrainien déterminé pour assurer que Ukraine gain ça les besoin pour y réussir dans la bataille contre invasion la Russie. Marie-Louise Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Louise Pierre, au sauve VOA Créole, on suit un programme dans langue créole haïtien. Actualité à concernant pays d'Haïti, dans un petit moment, pas déplacé. Actualité dans le pays d'Haïti, moi c'est Jacqueline Bélisère, conseil présidentiel transition, paré pour le considérer dossier plusieurs dizaines de monde qui déposaient pièces pour devenir premier ministre pays d'Haïti. Où est-ce que conseil présidentiel transition a envisagé possibilité, même s'il n'est pas officiel, pour recevoir et attendre chaque monde qui est intéressé à poste premier ministre là pour capable de gagner l'idée de vision au pays d'Haïti, surtout dans sa guerre pour le phénomène gangsterisation. Wavodou haïtien Augustin Saint-Cloud lance appel pour demander sept membres conseil présidentiel qui gagne droit vote agir vite pour choisir premier ministre qui a bien pour diriger transition. Arranger le plus vite possible pour que nous connaissions qui ça a fait et pour nous gagner un premier ministre que ma maison bonne qui est la prêlée, un premier ministre qui nous rassemblait, qui comprend le terrain et qui a rassemblé tout haïtien ensemble, indistinctement sans force côté. Indistinctement, sans force côté. Pour tout le monde qui est à bord de table et pour donner une solution pour qu'il nous capable vraiment à mener le pays à l'élection. C'est un dossier que VOA Créole a suivi. Oui, dans tout ça. Pour VOA Créole, Port-au-Prince. Pendant ce temps, il y a un président parti en avant, ancien député Jerry Tardieu, qui commentait quelques décisions du conseil présidentiel la prend, plus passé une dizaine de jours après l'y installer Yves Manuel. Parmi les décisions, le conseiller présidentiel a adopté une résolution qui accouchait une présidence tournante dans le temps conseil et puis une majorité 4-7 là qui passait à 5-7. Ce point ça, dirigeant parti en avant, Jerry Tardieu, nuance ses positions. Quel que soit Jean Viril, là, nous gardons que le conseil présidentiel a dérapé d'une façon qui bah, a sauté. Mais nous toujours dit ça, c'est pour une formule idéale. Mais comme nous ne pouvons pas chercher petite assemblée papa, nous ne pensons pas qu'aucun haïtien pour souhaiter que le conseil ça a échoué. N'a pas demandé pour faire face à la responsabilité pour ça pour corriger et pour que yo capable faire pays avancer pour pays avancer pour prochaine étape là c'est qui ça lié c'est non mon premier ministre qui gagne compétence avec capacité pour mener pays à l'élection après qu'il finisse restaurer sécurité. Ancien député Pétionville lancé yon pinga by conseiller présidentiel yo dans ça qui gagne pour avec nécessité pour yo travail dans l'idée pour river combler attente population dans ça qui concerne nomination yon premier ministre avec formation cabinet ministériel là chef parti en avant estimé conseiller doit aller vite mais bien payant dans un état déplorable ça qui mandé pour prochain chef gouvernement répondre à une série exigences. Au-delà de tout problème qui gagne avec conseil présidentiel là jodi a nous dit que nous considérons conseil présidentiel là comme une porte d'entrée vers la gouvernance. C'est-à-dire que c'est à travers le conseil présidentiel là que nous sommes censés jouer un premier ministre qui répond à certains critères. Qui critère que nous avons? D'abord, nous avons que c'est une personnalité qui gagne, on est capable de dire caractère. Son personnalité qui gagne courage. Son personnalité qui pas pour canson pour belle toile. Son personnalité qui capable de parler à tout le monde. Qui capable de prendre téléphone, quel que soit leader politique là, leader syndical, leader secteur privé, leader secteur universitaire, leader jeunesse, leader paysan, leader femme. Il faut être capable de rassembler haïtiens. Dans ce sens, ça,
faut être capable de communiquer tout. Enfin, M. Tardieu croit que c'est une urgence pour nouvelle autorité aborder pressé question sécurité. Il faut que la vie retourne dans le pays d'Haïti. Pour cela, nous pensons que la police nationale, avec les forces armées d'Haïti, a besoin d'encadrement, d'un accompagnement. Et accompagnement, ça, il doit nous aller. Côté maintenant autorité, c'est notre capacité pour négocier termes de référence, accord, qui pourra gagner pour force ça capable encadrer la police pour faire travailler comme ça doit. Ancien parlementaire qui par contre bourrait force multinationale sécurité, mandé conseil présidentiel, utiliser toutes compétences liées à disposition dans le domaine ça, dans l'idée pour établir autorité l'État sur tout territoire national. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Merci Yves Manuel. Et dossier Haïti a été dans un briefing qui fait chaque jour dans les Nations Unies. On a le sa vibre. Porte-parole Nations Unies Farhan Haq dans une rencontre chaque jour avec la presse by information tout neuf li gagne sous sa collègue li ont fait en Haïti dans sa qui gagne à revoir avec assistance. La POSA qui soutient l'organisation mondiale a précisé lundi à mardi programme alimentaire mondial PAM distribué environ 10 000 plats chauds by environ 5 000 déplacés dans zone métropolitaine dans Port-au-Prince. OIM distribué de l'eau dans deux sites qui accueillent moun ki déplacé donc moun ki quitté kayo à cause gang armé et li fourni soins santé grâce à une clinique mobile. Toujours d'après briefing monsieur Farhan Haq là après évaluation sous incident violent Grissier, PAM planifié pour faire distribution repas chaud dans zone. Dans la capitale la même, PAM commence à sortir dans repas chaud pour faire plutôt transfert en espèces pour les gens qui déplacent. Jusqu'à présent, à part aujourd'hui mercredi 15 mai 2024, là, plus passer 37 000 personnes recevoir l'argent liquide. Dans la semaine qui vient, PAM prévoit fournir assistance en espèces qui donne l'argent à 95 000 personnes déplacées. Autre parole, l'ONU a fini pour préciser encore, PAM a continué à faire distribution de produits alimentaires dans la Cité Soleil. Il y a plus de 65 000 personnes qui commencent à recevoir manger depuis vendredi qui sont passés là et objectif. Agence là s'est touché 95 000 monde d'ici finissement semaine là. Dans quatre programmes cantine scolaire, PAM fournit manger by 195 000 écoliers à travers tout le pays. Et puis l'autre point dans l'actualité toujours concernant le pays d'Haïti, autorité Bahamasio voyait tourner 125 citoyens ou bien qui vivent en situation irrégulière, ça veut dire sans papier, ou bien ils rejoignent dans la main. Nous avons un reportage, Gérard Maxino depuis Cap-Haïtien. C'est à bord d'un vol charter que l'autorité Bahamasio va retourner mercredi 15 mai 2024 à un groupe 125 compatriotes qui vivent dans le pays Bahamas. Selon responsable régional, Office national migration, Kevin Augustin, c'est dans la mer Yokembe, Pifo, dans rapatrier ça. Jeudi, l'autorité Bahamasio rapatrie 125 compatriotes haïtiens dans l'aéroport Cap-Haïtien. Ce sont des personnes qui ont fait tentative pour quitter Haïti, parfois maritime. Illégal. Qui est plusieurs rapatriés qui fait VOA Creole connaît, ils ont vécu à Bahamas, cependant, ils n'ont pas d'égal. J'ai passé 7 mois dans Bahamas. Je suis sorti le 7 mars 2023. Ok? Je suis arrivé dans le jour là et puis je suis déporté. Je suis allé légalement sur papier. Je suis arrivé, bon. Papier, je suis fini, je suis pas de travail pour me renouveler, je suis malade. Je fais expérience pour me quitter le pays, je suis arrivé dans l'autre pays qui est plus loin. Je suis arrivé voisin. Mais ça n'a pas arrivé fait, nous arrivé tourner. Nous venons arriver Kembe, nous tourner. Compatriotes, ça a expliqué, ils ont passé en pile misère dans le moment immigration Bahamas, te Kembe yo, et te voyé yo dans la prison. C'est sous l'eau Kembe, mouvé. C'est pas trop bon, bah, yo, bon pour nous dans le monde. N'importe qui, nous connaissons plus que les gens qui ont été représentés, mal regardés, et la caille voisin. N'importe qui, on fait même pas l'eau, parler fort avant pour le bâton. Et on va garder des plaisirs dans nous, là, pour un mauvais coup, pour ne pas nous parler seulement. J'ai balayé tellement grave pour nous que j'ai maltraité nous, nous prenons un bateau, nous mal regarder nous, nous prenons traiter nous trois prochains, nous faisons ça, nous battons nous, nous gagnons la parole devant eux, nous gagnons la loi devant eux, nous maltraiter nous, j'en voulais, les ouvriers battent nous. Nous ne pouvons pas mettre dans le temps, nous mettons le fou dans le temps, nous, ça veut dire nous venir sauter comme un monde fou. Nous obligés de chercher la vie pour nous recommencer, comment nous utiliser nos bagages, j'en ai nos bagages là. Après, c'est là quand même, c'était planté, je planté, je planté. Ça me casse le travail, mon bout de sac, je vais aller au bout de sac. Tant que je prends une immigration dans le pays. Maltraiter nous, qui bagaille nous. Nous étions dans les minuit pour nous appeler, je vais compter. Les finis encore, nous étions mal mangés, petit bagaille là, nous mal nourris. Puis nous quittons petit, nous sentions mal à l'aise. Puis il y a maltraité nous encore. Pour nous même dans le pays, dans ce Bahamas, nous passons en pile misère. Nous battons nous, après le sous nous, les finis, les ovines, comptez, comptez nous, non, les pour nous vivre, pour nous compter nous. Nous levons, nous comptons les minuit, mais l'autre l'air, nous ne pouvons pas mettre stable. L'air vini, si nous avons bien, il y a pris le sous nous, il y a monté sous nous. Puis il faut rapatrier ça, fait qu'on est, c'est insécurité, mauvais la vie, qui fait, il y a le risque de vie dans la mer, puis il y a la vie mieux dans le pays Bahamas. Gérard Maxino, Cap-Haïtien, pour la Fête d'Amérique. Merci Maxino. Actualité à peine nous connaissons dans le pays Brésil, côté quelques Haïtiens obligés de quitter la Caio à cause de gros inondations qui frappent Rio Grande do Sul dans le pays Brésil. Chelsea Jean-Baptiste, gain détail.
Autorité concernée yo continue à faire diligence dans Rio Grande do Sul pour sauver et porter si pour nécessaire bay moun ki victime dans inondation yo. Comment ça y est pour communauté haïtienne? Et Jonel Charelu, c'est une parmi moun ki obligé quitter Kaili à cause de l'eau qui envahit espace yo. Vendredi et puis pour venir samedi, le me lever dans samedi matin, gen un espace bon bala kay moyen, moi pas de l'eau pas de kon dormi là dedans. Et puis moi de l'eau, ou aller me garder dans fenêtre là, moi de l'eau à pli bas. Et moi ouais gen un espace tout qui pa yon ravine, moi de l'eau à passer descendre. Et puis le me relé leader l'église côté marché, m'a dit que yo alerté nous, zone là kay inondé. Donc qui ça pour nous faire? Récemment, il dit non, eh bien, quittez zone dans Vinjani. Donc, moi, dans un municipal, moi, dans un lot municipal, et puis, moi, fais un petit temps, mais après, le mois de l'eau avancer, vin puis près, et puis, moi, prends madame, moi, avec mon yo, nous fait, nous prenons machine, et puis, nous monter. Mais à l'arrivée, il me fait, après deux temps, moi, retourner. L'aime me retourner, moi, j'ai de l'eau à tout près, barrière, là, quand même, et puis. Vous voulez aller tout exactement? C'est. Donc on est, moi, en dedans, pour toi, l'église directement, mais moi, dans un bayo, disons, un quartier qui est Salanji. Donc maintenant zone là en pile mon sorti dans Sarandji venu dans zone Gravataï côté moi-même hier. Donc ou capable gagnon municipal qui plus touché qui relé Canoas, si une zone qui relé Mathias Vel, zone ça li touché en pile. Jean-Éric Joseph, yon leader qui a porté si Paul dans moment difficile ça, bay moun ki nan abri provisoire yo, fait connait il recevoir quelques informations comme quoi gen haïtien qui subit zak discrimination dans moment ça. Nous recevons notification de et cas de racisme et puis et xénophobie qui a répété dans l'abri Bouyo. Et donc depuis hier moi-même personnellement, bon pas moi-même seulement, et moi j'ai apaisé fait plusieurs ponts entre et quelques leaders immigrants et peu importe au niveau ville et puis peu importe au niveau national tout justement pour nous chercher alternatives. Avec plus passé 400 municipalités qui inondées, environ 80 000 monde déjà dans l'abri provisoire, plus passé 100 monde mourir, blessé et disparaître, c'est plus une catastrophe naturelle. Rio Grande do Sul connaît depuis 40 ans. Chesley Jean-Baptiste pour VOA Créole. Merci Chesley et VOA Créole ou bien rendez-vous info. Après, nous connaissons dans Floride, nous allons parler de manger haïtien, cuisine haïtienne avec Jude Demonstré. C'est samedi que ça passé là, sur l'obédience ville North Miami, mené avec commissionnaire Marlène Bastien, que Gourmet Creole Haitian Food Festival a été déroulé dans l'État Floride. Sorti dans Fait Épices, en passant par Pâté Codé, pour arriver dans Maïmoulin, Pifop plat haïtien était disponible pour le grand public goûter et acheter. Pour Pipiti, 5 chefs haïtiens étaient exposés talent dans affaires qu'on fait manger dans le festival La Mange Island. Parmi nous, chef Chosen, qui sorti à Atlanta, Georgia, pour venir participer, et il gagne un propre épice sur marché. Chef Gabi, qui a plus passé 30 ans d'expérience. Chef Fortune, qui a couru sur plus passé 3 ans dans le domaine. Chef Louisa, qui a 40 ans d'expérience. Avec Chef Rob, qui a 20 ans d'expérience et qui a choisi dans l'occasion pour te préparer des qualités pas te coder. Nous avons décidé de faire farine avec John John. So farine, c'est John John. Mettez l'autre épice là-dedans. Je vais faire des qualités pas te coder. Une traditionnelle avec un ranso, avec un dog. Et puis je vais faire une seule ranso seulement si quelqu'un qui va manger un dog, qui va manger viande du tout. Star, c'est farine John John. Bon côté Pali, chef Louisa, qui t'a préparé divers manger la caille dans l'occasion, t'es bail 10 ans sous festival La Mangeaille là. Je suis bien content aujourd'hui. Moi, tout le monde est content, jeune chaka, jeune. Tout le monde que vous pas mangé longtemps, ça fait son GPI. Dans finissement journée, VOA Créole, t'es parlé avec commissionnaire Marlène Bastien qui t'a donné plus de détails concernant Gourmet Créole Haitian Food Festival dans ville de Miami. Bon, depuis le commissionnaire, c'est pour une fois m'organiser Food Festival là. Mais l'année dernière, nous avons différentes activités, mais l'année ça, nous inclut festival manger hein, pour encourager tout notre groupe ethnique, pour encourager tout notre groupe ethnique, pour venir goûter manger haïtien, non seulement manger haïtien, mais pour faire connaissance avec culture, nous, musique, nous, artisage, nous, toute qualité ressources, donc rien pour montrer belle culture pays d'Haïti, donc aujourd'hui, hein, et dans différentes activités, nous avons toujours fait ça. Quelques participants ont exprimé satisfaction yo et pas regret qu'ils étaient présents. Parmi eux, y a un citoyen qui pague longtemps depuis le sorti dans le pays d'Haïti et habite dans l'État Floride. Moi, je suis organisé, moi, autant que je suis venu dans le pays. Bon, moi, je suis organisé. Là, je dis, bon, on est content. Quoi. Parce que la première fois que je participe là-dedans, je suis un bon bagage. Il faut aller en belle en pile parce que les gars en pile produits haïtiens. Ils montrent une série de stands qui montrent qui gens pour faire piquer. Une série de stands qui montrent épices haïtiens. Et une série de gens qui ont présenté manger haïtien qui fait que les promoter culture nous. Non, Pam, c'est juste de vous pour VOA Créole dans la ville de North Miami, État Floride.
Voilà, et on dit nous gagne pile manger nous manger Washington maintenant nous manger ti manger nous. Nous petit chaka nous bois ici à tout. Donc nous souhaitons leur que nous avaler l'autre bois et puis pour nous participer tant que juste démontrer participer là-dedans. Nous pratiquement arrivé dans l'autre information que nous porter pour et bien Haïti lui-même lui manque fait face carré avec Radmari sous ti mois janvier pour arriver mois avril 2024 là dans bilan yo bail sous divers tremblements de terre qui étaient passés dans pays à pour 4 premiers mois année 2024 là Biomine avec énergie qui c'est BME révélé que Haïti pas manqué en pile pour te faire face carré avec un Radmari sous 208 tremblements de terre que yo dit qui te gagné rapport a montré gain 93 secousses qui fait dans la mer noire et bien un chiffre qui baille 44.7% d'après observation expert yo pour tremblement qui passé dans la mer nous joine 93 li baille 44.7 ça qui fait nous supposer ou bien nous te ka gagné un danger tsunami. Eh bien, si conditions yo même yo te réuni pour ça d'après estimation autorité yo unité technique sismologie ITS pour conditions yo même yo te réuni yo mentionné faut te gagner faille dans la mer mais tout faut pour pipiti li te nan niveau 6.5 nan échelle Richter. Eh bien, et puis tout pour pigou faut que même li te passé avec 50 km profondeur pigou niveau qui donc magnitude yo enregistré te fait dans mois février d'après ça yo même yo dit qui dans rapport yo na c'est distance 39 km l'ouest pointe à raquette zili lagunava et bien il était passé avec 4.4 et puis l'autre là même il était passé avec 3.5 km dans nord-est titou de nip il était fait avec 4.2 qui donc il était manqué pour jusqu'au nia yo l'autre côté. Je nous t'ai donné l'autre journal que nous t'ai bailé la 208 tremblement de terre ça même qui t'ai passé dans pays pendant période 4 mois ça et spécialiste yo précisé gain 183 là-dedans au niveau même au pipiti ou bien égal avec 3 et bien ça qui bail un pourcentage de 87% avec 86 l'autre qui représentait 41.3% et bien yo même yo té souqué avec une profondeur qui pipiti ou bien qui égal avec 10 km selon unité secousse sismologie avec Biomine énergie mais comment chiffre 208 tremblement de terre le même les représenter pour chaque mois yo pour mois janvier yo té 42 secousse février yo té 53 secousse mars là le même l'été arrivé avec 58 secousse et puis pour mois avril là le même terre a été tremblé pendant 55 fois et on l'autre côté yo mentionné pour 9 départements qui étaient touchés dans c'était nord-est côté nord-ouest le même l'été sur 53 fois nip té tremblé 42 fois l'ouest té 37 fois gradas avec sud-est té tremblé 21 fois sud le même l'été sur les mêmes pendant 18 fois pour finir yo joine noir les mêmes c'est fait pendant 6 fois tandis que la Tibonite accent les mêmes dit seulement té secoué pendant 5 seulement fois dans département ça yo de l'autre côté et bien faut qu'on est Bit Haïti organisé plusieurs formations dans théâtre pour tout monde qui nan kan yo. Et bien brigade intervention théâtre Haïti c'est Bit Haïti organisé un paquet de formations sorti 13 mai 2024 là pour arriver 24 mai 2024 et bien qui a rapport avec théâtre nan kan monde qui déplacé yo et bien dans ville Port-au-Prince là ça journal les nouvelles li même li rapporté projet ça apporté non théâtre croapé violence dans l'idée pour motiver tout monde ça yo même cap sauver pour violence gang exam dans pays que nous déjà connaît l'important pour nous connaître tout pour aller 3 camp dans ville Port-au-Prince cap bénéficier atelier formation ça yo à travers bit c'était droit devoir nous pour te parler dans camp monde qui déplacé yo qui situé dans zone métropolitaine dans situ à ça qui concerne situation famille yo même y a vivre ti moun yo recevoir formation dans atelier sous artisanat et théâtre dans l'idée pour jouer avec fait réfléchi c'est sa directeur atelier qui c'est Élisée Guéris mais lui-même les fait connaît lui-même dit ajouter pour le dit projet à joindre si pour au commissaire Nations Unies lui-même pour droit monde en Haïti ministère qu'il dit avec communication programme Nations Unies pour développement et pitamisé qui donc habite Haïti avancé pour le dit tout si là yo qui déplacé yo a vivre dans condition difficile à cause de manque d'eau pour yo boire et puis dormir pile sous pile yo qui prend maladie et puis manquer loisir avec jouet pour jouer
C'est peut-être ça, l'été hygiène pour brigade intervention théâtre Haïti, qui c'est BIT Haïti. Te mette kampé initiative artistique et culturelle pour établir l'espoir et encourager résistance dans mitan timoun. Yo pral gen 11 timoun qui pral suivre formation sa yo pendant 10 jours et puis pour participer dans projection télévision. Yo même qui pral fête côté qui pral gen actrice tankou Jenny Kade avec psychologue éducatif et puis directrice Stéphanie François kap gen pour intervenir dans formation sa selon sa directe. BIT Haïti a li même li ajouté pour finir n'ap souligner brigade intervention théâtre Haïti de fête la date 15 décembre 2011 de séance association culturelle apolitique qui donc qui pas gain pour en rien et les mêmes tout licence confection cap travail dans domaine artisanat performance c'est ça une association culturelle qui réunit acteurs et comédiens haïtiens n'a rappelé initiative ça les mêmes été faite dans cadre projet FBF qui c'est une structure de paix et bien qui en bas coordination générale Tamise qui réunit 41 associations culturelles et puis l'autre acte tankou comédien avec artiste pour mener une campagne de sensibilisation pour la paix avec respect de l'amour sorti mois avril pour arriver mois juillet à travers plusieurs départements dans le pays d'Haïti. Donc, depuis que vous partez ou quittez la caille ou pas bien vivre, et bien, vous font gens pour vous capable aider ou comprendre qui j'en vis à lui-même lié pour capable soulager. Policiers kenyans ont paru pour débarquer dans le pays d'Haïti. Yo mois après, vous même fini de prendre un bon bout de formation. Côté yo même yo déjà bien formé groupe officier police Kenya ça yo même qui était en congé recevoir appel pour rentrer dans base cadre préparation pour déploiement dans pays d'Haïti. C'est New York Times lui même qui bail nouvelle là pendant hier mardi qui était 14 mai 2024 la groupe ça lui même li gen la donne unité déploiement rapide, unité antivol, unité service général avec unité patrouille sous zone frontière. Yo te complété formation et bien à date 4 janvier 2024 là que yo même yo relé yo pour quitter yo et bien congé semaine ça et bien pour préparation les même ni capable faire pour mission li ta vini en Haïti. Malgré yo pa bay date avec précision officier ou fait qu'on gen planification qui fait pour arriver dans pays d'Haïti et bien c'est dans mois ça là d'après New York Times mais sous-secrétaire département américain même l'était parlé fait qu'on est le 18 mai nous prévoyons 200 policiers kenyans qui vient pour taper les sols là d'après rappelé officier kenyan ça yo pral accompagner avec un policier l'autre pays qui déjà confirmé participation dans mission ça tant que Bahamas Jamaïque Espagne, Belize, Italie, Antigua avec Barbuda, Sénégal, Mongolie, Suriname, Guatemala, Pérou, Barbade, Bénin et bien Bangladesh avec Chad. Et donc ces pays ça qui fait yoube you té d'accord même pour venir participer dans mission qui est pour avec mission multinationale là côté pour venir quoi pé gang dans pays d'Haïti. Qui donc pa yo même y a marché avec grand pas dans dossier qui est pour avec force mission multinationale là qui t'a doué rentrer dans pays d'Haïti t'assembler toute bagaille déjà commencer prêt Espérance 17 qui c'est syndicat de la police nationale d'Haïti et bien là on note que écrit là côté DG la police là qui c'est DCPA avec DD0E livré fonds national Axolino capital la presse qui sous contrôle bandi à 100% joindre info mais plusieurs responsables dans commissariat avec policiers qui sous terrain qui fait quoi que état major police nationale d'Haïti a pas décidé résoudre problème dans un fonds national avec Solino. Yo pa bay moyen ak policier ki sou terrain yo et puis yo empêché opération nan base gang yo même yo fait syndicat la police la ki se espionnage 17 mandé policier boy avec B et bien avec ça yo même ki rete nan zone Solino avec Sanville la pour mobiliser yo ak population pour ces derniers coup gouvernement ça avec commandement la police la même li bay capital la complot pour livrer fonds national ak Solino c'est une façon pour capital la tomber en bas contrôle la bandi ak 100% combat contre corrompu criminel avec gang dans l'état doit commencer jodi a en bas programme dans territoire perdu monsieur France LB lui même l'a coordonné c'est ça espionnage 17 lui même li fait qu'on est dans tweet ça que eux même yo fait sous page officiel X qui donc France LB si nous capable quoi selon déclaration espionnage 17 là lui même li
nan koule bouda avec bandio et puis en même temps tout li remen ou bien li si tire sa yap fait à côté selon espionnage 17 et bien France LB ta fait partie monde qui pas d'accord pour opération faite nan base la police là et donc si chef police n'a pas d'accord nous même civil n'a toujours capable boire et bagaille yo pralé en route qui fait noir pour nous Haïti trois moun mouri environ 10 autres sont blessés dans un grave accident qui fait hier mercredi 15 mai 2024 là sur route Thomasique dans département Centre pays d'Haïti accident en fait même par rapport avec un gros camion qui t'a transporté marchandises même qui chaviré dans commune Thomasique qui donc plusieurs monde déjà perdu la vie dans gros accident c'est là lui même qui fait syndicat police là même yo annoncé tout que yo dénoncé avec toute force et bien comportement CG cap haïtien les mêmes qui se mettent Diran Charles Edouard qui mandé directeur la police noire les mêmes pour lui transférer tout policier SDCPJ qui demandé CG les mêmes pour lui ressaisir dans plusieurs actions que les mêmes l'a posé mais parfait honnête institution la police là dans publication si là eux même yo fait ailleurs avant et pardon qui demandé 14 mai syndicat policier rappelé qui eux même pas quitté aucune instance ça fait policier ou ab donc yo te déjà relé campé des chef police dans grandas là bien rapide yo remplacer pour c'est coupable CG cap haïtien les même qui pas fait bagaille trop bien et bien pour en pile monde même c'est des ordres CG si là les même l'a fait dans dossier qui est pour avec un dossier police nationale d'Haïti yo l'autre côté n'a faut connait même Moïse Jean-Charles les même qui pour elle là qui tourner bouda nous pas contre qui non nous capable bali et bien li mette yon note de yo côté le fait qu'on est parti politique petite Dessaline levé campé jusqu'au bout dans note là que même yo mette qui titre ou bien qui fait le 14 mai 2024 là côté yo mette le comme ça et bien directeur police là nous saluons non papa nation lui même qui s'est changé avec Dessaline et nous profiter occasion ça pour nous dire pour nous féliciter au projet fait en tête ensemble DDN avec PNH dans l'idée pour nous recevoir l'idée charismatique là socialiste rénovateur Bombardier Noah qui donc c'est notre là qui dit comme ça et bien secrétaire général la partie petite Dessaline Moïse Jean-Charles après lui-même il était fin passé presque 4 mois dans capitale la pays d'Haïti pour te porter revendication masse défavorisée dans conseil présidentiel transition nous même responsable parti a ti marchand taxi moto professeur l'école élève l'école moun qui nan secteur formel takou informel ouvrier paysan chômeur et latrier casser rendez-vous nan kafou airport au cap haïtien jou cap vendredi 17 mai 2024 là nan 10 boule nan maté yon façon pour nous montrer l'idée qui li pas pour compte li nan bataille la mené pour délivrer pays a nan rappel au parti ça les même qui t'est rentré pour ton prince et bien c'était pour tal mettre Guy Philippe comme président pays et bien bien rapide d'aval fait la ligue est en conseil les sont en dia là parti lui même il était un bon bout de temps silence il reprend et qu'on y a là il annoncer que lui même il pral rentrer dans cap haïtien lui même il toujours besoin pour monde continuer à le recevoir en grand leader qui donc pays Haïti c'est un pays difficile pas gain rien qui paraît ou capable prendre pour bizarre ou bien n'importe genre mais au réel dans pays ici là président transition dans pays Burkina Faso qui c'est capitaine Ibrahim Traoré il fait connait dans date hier qui était 15 mai 2024 là désormais institué dans calendrier pays li comme journée nationale la coutume avec tradition pour ça dans cadre visite li était fait dans musée national pays hier mercredi 15 mai 2024 là Ibrahim Traoré fait qu'on ait visite si là lui-même c'est un symbole double pour peuple burkinadé et bien cap chercher véritable identité la paix souveraineté li totalement qui donc président si là ou bien pour capable dit capitaine Ibrahim Traoré lui-même qui na tête pays ça et bien l'a chercher route pour mettre pays sur bon route et lui-même qui était prêt pour avoir une révolution qu'il était fait et mais pourquoi il est là c'est lui-même qui a dirigé pays côté l'a fait en pile bon loi passé dans pays lui-même dans Burkina Faso avant joindre yon entente avec étudiant manifestant contre la guerre Israël à Hamas là lui-même yo te rete tantio avec propre volonté yo et bien m'a dit après responsable université yo té entendre yo même pour yo parler sous question donc à l'école yo même y a ba Israël qui donc ça qui mettait fin pacifiquement dans gens des manifestations que la police té gayé sur l'autre campus yo groupe manifestant qui relé Ava de yo na Palestine occupé et bien li nan yon
déclaration que manifestants eux-mêmes ont fait vinn pèdi utilité pour li ka concerné réclamation nous pendant ça et bien président provisoire université Harvard Alan Garber lui-même li d'accord pour continuer réunir entre manifestation yo avec responsable université yo sous question que étudiants eux-mêmes yo a posé dans dernier jour ça là qui donc étudiants dans plusieurs universités dans saison printemps ça lui-même yo établi dans quand même gens avec côté eux-même yo réclamé pour l'école yo couper relation avec Israël et avec business qui eux-même y a supporté pays Israël. Qui donc Israël depuis le moment guerre là Colombie déjà coupé relation diplomatique mais plusieurs pays en Europe tant qu'en Amérique là même là il a fait dans pays États-Unis il a demandé pour couper relation avec pays Israël pour dossier guerre qui gagne point avec pays Hamas même qui continue à maltraiter dans la guerre si là Biden augmenter tarif sous produits électriques chinois. Il y a un effort pour relancer factory dans le pays États-Unis. Président Joe Biden a annoncé mardi qui s'est passé à la qui imposé avec une grosse augmentation tarif sous machines électriques chinois avec nouveau taxe sous semi-conducteurs, cellules solaires avec batterie et bien lithium. Et bien, déclaration dit comme ça, nous ne pouvons pas quitter la Chine inondée de machines pour faire l'impossible pour auto américain fabricant auto faire compétition honnête ces paroles Biden lui-même qui dit encore m'a fait ça encore avec loi sous commerce international la tarif sur véhicule électrique qui relie tout et là lui-même il va le multiplier par 4 pour arriver avec 100% importation cellule solaire avec semi conducteur qui sorti en Chine pour en bas yon tarif de 50% et bien qui c'est deux fois l'argent ça y kounya tarif sur quelque importation tant qu'ou acier avec aluminium pour al monter pour arriver 25% plus parce que deux fois que j'ai même lié kounya là c'est président Joe Biden qui a parlé tarif sur auto électrique acier avec aluminium yo avec cellule solaire yo même yo commencer année ça et sous semi conducteur c'est pour l'autre année qui donc de pouvoir faire pays ou toujours contrôler ça qui rentre parce que c'est pour peuple pour avant tout. L'autre information toujours que nous portons pour vous, bien Vladimir Poutine lui-même lui dit force Russie lui-même il fait avance là dans position dans la guerre qui lui-même il a mené dans pays Ukraine dans pays là aussi et bien président Vladimir Poutine dit hier mercredi 15 mai 2024 là tout Russie lui-même il prend plus territoire chaque jour sous champ bataille là dans Ukraine dans toute direction donc c'est pour cette direction attaque Russie force ukrainien il fait retrait dans champ bataille là dans dernier mois ça là malgré yo recevoir plusieurs centaines de milliards de dollars aide dans mes pays États-Unis avec Alilio et bien président Vladimir Poutine dans une rencontre li fait dans Kremlin avec ministre défense là qui c'est Andriy Belousov et bien secrétaire conseil sécurité à qui c'est Sergey Shoigu avec général yo le même qui dit la meilleure même l'a agi d'après plan chef état-major lui même qui l'a approuvé pour yo agir les deux pays là aussi a dit général en chef là qui puis plus ou travailler sur les devant et bien c'est plus chance nous même nous gagner pour nous résoudre problème ça dans la paix nous t'es toujours à faire ça ou bien nous t'es toujours à faire effort pour ça. Et moi j'ai toujours dit ça Poutine remercier Shoigu pour travail lui-même li fait comme ministre défense dans gouvernement monsieur Poutine dit encore en pile bagaille yo pas clair avant déclaration ou bien avant déclenchement hostilité yo et bien lui-même li dit Shoigu ta aider le gérer section militaire avec sécurité dans pays il y a chef d'état-major qui c'est général Valéry Gerimismov. Et bien les mêmes l'été participer tout dans réunion c'est là que eux même yo t'a fait mais Vladimir Poutine pas décidé lâcher pays tant que Ukraine qui donc malgré Ukraine venant pile milliards d'argent qui était sorti dans pays tant que États-Unis avec plusieurs autres alliés eux même yo t'a gagné mais malgré ça Vladimir Poutine selon groupe l'armée ouais et bien yo continue à prendre territoire côté Ukraine li toujours les mêmes l'irrité puis en bas information qui disponible bana journée hier mercredi à sous dossier force mission multinationale là bien fait qu'on est dans cadre déploiement force mission multinationale qui gagne pour entrer dans pays d'Haïti a gagne un troupe de 400 policiers kenyans qui t'a dû arriver en Haïti en jeudi qui vient là qui c'est 23 mai
et pour arriver dimanche 26 mai 2024 groupe policier ça yo même yo une mission sécuriser go infrastructure yo avec la présidence qui donc par quoi les premiers groupes la venir c'est nous même libéral sécuriser ces infrastructures avec la présidence selon information yo qui donc progressivement tout l'autre pays yo même yo doit arriver en Haïti entre mois juin avec mois juillet qui vient si on 400 vini nous avec on est l'autre côté il va aller sinon il va aller derrière conseil présidentiel transition qui donc nèg yo renforcer sécurité la réal toujours pas facile la réal toujours malouk là dans pays d'Haïti en bas nèg exam yo qui vient plus puissant nèg yo sur route pour faire sid y a attaquer les organes attaquer carrefour tout côté et bien premier 400 policiers kenyan qui vient pour entrer entre 23 pour 26 mai selon information qui disponible et bien c'est pas contrôle yo pral mettre ni c'est pas gang yo pral bataille et bien c'est policier qui pral gagne pour sécuriser gros infrastructure avec la présidence et présidence a qui c'est 9 en total et bien yo même 400 policiers capable yo diviser la quantité yo voulez pour chaque chef d'état ou bien chaque nanèg conseil présidentiel là gagne on va aller derrière pendant petit peuple là à continuer couille en babal barbecue avec tout allié yo. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous-même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une première façon que vous capable ou capable faire sentir travail n'a fait arriver sur vous c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification mettre le sous toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouveau vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et comme ça on va aider nous grandir communauté channel. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde côté tu abonne avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'a dit au revoir tout le monde. N'a prévoyé encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.